Aujourd'hui, nous sommes dans le Jura, à Écleux. C'est un petit village de 230 habitants, situé dans une zone géographique que l'on appelle le Val d'Amour. Alors c'est vrai, le temps est exécrable, mais peu importe, à Écleux, il y a des lieux et des initiatives à découvrir. Voilà, et au prochain tour, on démarre l'exercice et on récupère. On commence à récupérer, Florian. Et grande foulée, Laurence. Sur reine gauche, reine extérieure, et vous prenez soin d'eux. Bonjour, Julien. Bonjour. J'imagine que c'est un bonheur, même l'hiver, même quand il pleut, de pouvoir quand même assurer des cours. Ah, effectivement, dans notre région, c'est plus judicieux d'avoir un manège, évidemment. Ça nous permet de travailler toute l'année. Alors, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai eu la chance d'avoir un papa gendarme, garde républicain. On a grandi au milieu des chevaux. Les logements étaient au-dessus des écuries. On traversait les écuries pour aller à l'école le matin. C'est devenu une passion et un métier aujourd'hui. Quelles activités vous proposez hiver comme été dans ce centre équestre avec le... Alors, l'idée, c'était de pouvoir proposer de l'enseignement pour tout le monde. On va de l'enfant à l'adulte. Et puis, à un certain moment, on passe sur des parties plus techniques, avec du perfectionnement et de la compétition pour ceux qui le veulent à différents niveaux. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Ça va bien, malgré le temps pourri. Parlez-nous de ce jardin extraordinaire. Je suis passionné de plantes méditerranéennes. Et naturellement, les plantes méditerranéennes dans le Jura, par des hivers rudes, moins 20 degrés, eh bien, il faut les protéger. J'ai trouvé un système pour protéger donc toutes ces plantes. C'est un système où les éléments se verrouillent les uns aux autres. Donc, c'est un élément de façade, un carré. C'est un triangle, un élément de toit, et qui s'en verrouillent les uns aux autres avec une platine angulaire. Et il suffit donc de verrouiller ces trois éléments les uns aux autres pour arriver à faire grandir la serre, et en hauteur et en diamètre. Gilbert, c'est des vrais, ça, hein? Oui, Laurent, c'est des vrais, il n'y a pas de souci. Donc, c'est des essences qui ont 40 ans. Et donc voilà, des oranges et des citrons en pleine terre. C'est la réussite de mes expériences, en fin de compte. Et les gens doutaient de votre réussite ? Oui, tout à fait. Les gens qui viennent ici, ils ont du mal à croire que c'est des vrais agrumes. Quand on les presse ou quand on passe la main sur les feuilles, on a les essences comme si on était en Espagne, dans le Midi ou en Italie. Parlez-nous un peu de cette vigne conservatoire et de son histoire. Eh bien, écoutez, son histoire, elle remonte à 20 ans. Pour dire, l'association des vignerons du Haut-Val d'Amour, on a formé cette association il y a 25 ans. Donc, la vigne conservatoire, comme dit son nom, c'est pour conserver tous les anciens cépages. Et il y en a combien, là? Alors, à votre avis, il y en a combien? Il y a beaucoup de petits panneaux, hein? Oui, il y a beaucoup de petits panneaux. 38, exactement. Pour vous donner une ordre d'idée, en Bourgogne, on n'en avait que 8. Alors, on ne s'explique pas trop pourquoi cette diversité en Franche-Comté de cépages. Peut-être que c'était à la croisée des grandes régions viticoles, mais enfin, on se perd en conjoncture. Vous avez du Savagnin rosé. Maintenant, le Savagnin, il est blanc, mais il y avait déjà du Savagnin rosé. Et puis, autrement, plus loin, il y a de la Mondeuse. La Mondeuse, c'est un cépage qui venait de Savoie, mais qui était très important avant le phylloxera ici, dans le Jura. Donc vous l'ouvrez au public? On peut la visiter en ce moment ou pas? On la visite, c'est surtout des scolaires qui viennent, mais aussi des groupes mêlés, parce que l'hiver, vous voyez, c'est quand même moins agréable. C'est particulier. Oui. Bon, c'est Gaëtan Vert. Du vin de votre vigne. Eh oui, et vous allez avoir le plaisir de goûter ce nectar qui est fait avec 38 cépages différents. C'est vraiment exceptionnel. Donc, petite production, mais... Petite production, grande qualité. Mais grande qualité, comme vous dites. Excellent.
En tout cas, merci à vous. Puis nous, on en profiter pour un trinquet avec modération. Hein. Avec modération, comme il se doit. Santé. Allez, santé. 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 Santé.